الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Donc inshallah c'est la deuxième partie dans la réponse à Ismail Mounir par rapport à la question de l'innovation. On a répondu donc dans la première partie à la question est-ce qu'il y a des bonnes innovations ou non, et on a vu qu'il y a un consensus sur le fait que ça n'existe pas. Les bonnes innovations dans la religion, bien sûr, comme on a expliqué et répété. J'avais dit donc à la fin du premier audio que j'allais compléter, donc en faisant cette deuxième audio-là, par rapport à une question qu'on appelle As-Sunna At-Tarkiya, la question de la Sunna du délaissement. Donc ça pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que je sais que pour bien comprendre la question de la bid'a, il faut bien comprendre la question de As-Sunna At-Tarkiya. C'est-à-dire, la question de la bid'a ne sera pas totalement claire pour toi tant que tu n'auras pas vu la question de la Sunna At-Tarkiya. Pourquoi ? Car certains parmi les innovateurs, ils utilisent ou ils donnent certains exemples, qu'on va, inshallah, voir certains dans cet audio-là, pour continuer à mettre des ambiguïtés aux gens et à dire, ben vous voyez, par exemple, les sahaba ont fait des innovations. Après, les tabi'in ont fait des innovations. Regardez cet exemple-là, cet exemple-là. Et en réalité, quand on regarde bien ce qu'ils ont fait les sahaba, ce qu'ils ont fait les tabi'in, etc., ça ne rentre en aucun cas dans la règle de l'innovation. Ça ne rentre en aucun cas dans la règle de l'innovation. Car, comme on va le voir aujourd'hui, la règle de la sunna du délaissement, c'est-à-dire ce que nous, on est obligé de délaisser et de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce délaissement, c'est un délaissement spécial. Il faut bien comprendre la règle. Inch'Allah, on va expliquer la règle et ce sera clair. Donc ça, c'est la première raison. Car en réalité, j'explique les raisons, car en réalité, on en a fini avec l'histoire de Ismail Mounir et ce qu'il nous a dit dans sa vidéo. Pourquoi ? Car lui, il n'a pas cité ça, le Sunna Tarkiya, etc. Mais la deuxième, donc là, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est pourquoi je fais quand même cette audio sur Sunna Tarkiya, c'est que je sais que Al-Rumari, lui-même, celui dont Ismail fait la promotion, dans son livre sur la Bid'a, il a aussi un autre livre sur la Sunna Tarkiya. Et ce livre-là, il est aussi traduit en français. Et même certains parmi les soi-disant prêcheurs là sur Facebook, j'ai vu qu'il y en a certains qui ont propagé aussi le livre de Al-Rumari, le deuxième. Et ils disent, voilà, c'est un bon livre, il faut aller lire là-bas ces choses-là. Donc, Inch'Allah, on va continuer à expliquer et à montrer que Al-Rumari, même dans son deuxième livre, sur la Sunna Tarkiya, il s'est trompé aussi. Donc forcément, pourquoi ? Car c'est une question très liée. S'il y a un problème dans la question de la bid'a, il y aura un problème dans la sunna tarkiya. S'il y a un problème dans la sunna tarkiya, t'as un problème dans la bid'a. Plus ou moins, c'est obligé, c'est obligatoire. Donc voilà pourquoi j'ai décidé de faire cette deuxième audio-là, pour éclaircir non seulement la question de la bid'a, et aussi pour enlever les ambiguïtés que certains y mettent, aux gens, et finir sur donc la réponse aussi à Al-Rumari dans son deuxième livre, et en même temps répondre à tous ceux qui propagent ce deuxième livre-là. Donc c'est pas forcément Ismail qui évolue ici, dans la deuxième réponse, mais les autres aussi, et Al-Rumari. Donc, la première chose, Inch'Allah, qu'on va faire, qu'on va expliquer, c'est la règle de la Sunna Tarkiya, c'est-à-dire le délaissement. À la fin de l'audio, du premier audio, j'ai dit ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a délaissé, nous on est obligé de le délaisser. Dans, bien sûr, les choses en rapport avec la religion. Mais cette chose-là, donc, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a délaissé, nous aussi on doit délaisser, c'est, il faut bien comprendre où est-ce que la règle se trouve, et bien comprendre la règle. Pourquoi ? Car Al-Rumari lui-même, il s'utilise d'une autre règle, dans Usul al-Fiqh aussi, qui existe, et on ne dit pas qu'elle n'existe pas, comme lui il prétend, nous, soi-disant,
nous, on ne connaît pas Usul al-Fiqh et on ne connaît pas cette règle-là. Donc si on connaît, on sait très bien qu'elle existe, mais Al-Romari, il l'a utilisée dans un endroit où elle ne sait pas sa place. Donc, il faut remettre les choses dans l'ordre. Donc, Inch'Allah, on va expliquer la question de As-Sunnah al-Tarqiyya. Donc, nous, innama natakallam fima yakhtarahu al-mubtadi'a min ta'abbudat lam ya'ti biha ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam wa tarakaha tiwal hayatihi sallallahu alayhi wa sallam ala ar-raghmi min annahu kana yatawaffar fi hayatihi sallallahu alayhi wa sallam al-mubarrirat allati yaz'umu al-mubtadi'u annaha tatatallab iqtira'a hadha at-ta'abbud wa taqtadihi ولم يوجد في زمنه صلى الله عليه وسلم ما يمنعه من الاتيان بهذا التعبد. Alors, ici, il y a cité en réalité la règle. Inch'Allah, on va expliquer ce qu'il a dit. Donc, il dit, nous, quand on parle de la sunna tarqiyya, la sunna du délaissement, on parle de ce que le mubtadi'a, l'innovateur, il invente comme adoration que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait, qu'il a délaissé toute sa vie. Donc on sort bien les choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait et après a délaissé. Car le délaissement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est de plusieurs catégories. Il faut bien comprendre où est-ce que ça se passe. Et on va, nous on va pas étudier mais sur toutes les catégories du délaissement. Ça, ça se trouve dans les livres de Usul. Par exemple, Shatibi, il a dénombré plus de 10 cas de délaissement. Et chacun a peut-être un jugement différent ou autre. Il faut comprendre les choses. C'est-à-dire le délaissement, il existe de plusieurs manières. C'est pas un seul cas. Tout ce que le Prophète sallam délaisse, il faut le délaisser. Ou alors on dit tout ce que le Prophète sallam délaisse, c'est permis. Non. Tout ça, c'est faux. Il faut détailler entre le Prophète sallam a délaissé une chose. On voit. C'est quoi cette chose? Si c'est une chose parmi les adorations, d'accord. Si c'est une chose parmi les permissions, les choses qui sont pas parmi les adorations, on dit là-bas c'est la permission, sauf s'il y a une preuve que c'est haram. Après, est-ce que le Prophète sallallahu alayhi wa sallam y a délaissé une chose alors qu'il l'avait faite et on peut comprendre par exemple des sahabi que cette chose-là que le Prophète sallallahu alayhi wa sallam a délaissé, en réalité maintenant c'est devenu le nasir et que ce que le Prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait avant c'est mansour. C'est à délaisser, c'est à abroger, etc., etc. Il y a plusieurs sortes de catégories. Nous, là, on est en train de parler de quoi? On est en train de parler d'une chose que le Prophète a délaissée tout au long de sa vie. Et cette chose-là en rapport avec les adorations. D'accord? Et en plus de ça, ils disent que la règle, c'est que le Prophète, il l'a délaissé, mais il avait la possibilité de le faire et la cause pour faire cette chose-là, cet acte-là que le Prophète a délaissé, existe à son époque. Il y a rien qui l'empêche de faire cette adoration-là. Et il faut bien comprendre, quand on dit la cause existe, ou alors le motif existe pour faire cette action, dans l'adoration, ce motif-là, c'est quoi? C'est justement l'adoration, l'adoration d'Allah. Ça suffit comme motif pour que le Prophète sallallahu alayhi wa sallam fasse une chose. Aussi, le fait que Allah y a dit au Prophète sallallahu alayhi wa sallam de transmettre la religion. Donc si la chose que le Prophète sallallahu alayhi wa sallam a délaissée à son époque et que cette chose-là, le motif existe pour que le Prophète sallallahu alayhi wa sallam le fasse, comme par exemple le fait que Allah lui demande de propager la religion. Donc c'est interdit au Prophète sallallahu alayhi wa sallam de délaisser une chose que Allah lui demande de transmettre. Inch'Allah, on va expliquer, on va donner d'autres paroles et on va réexpliquer Inch'Allah. Si c'est pas clair. Donc, une autre parole de Ibn Taymiyyah dans son livre Ikhtilas Sirat al-Mustaqim li mukhalafati ashab al-Jahim. Il dit: Tarku Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ma'a wujudi ma yu'taqadu muqtadiyan wa zawalu al-mani' sunnah kama anna fi'lahu sunnah. Qu'est-ce qu'il dit Ibn Taymiyyah dans Ikhtilas Sirat al-Mustaqim? Il dit, ce que le Prophète sallallahu alayhi wa sallam a délaissé, alors que le motif et ou alors la cause pour faire cette action existe à l'époque du Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et
il n'y a pas d'empêchement. Le prophète sallam a la possibilité de le faire. S'il le délaisse, qu'est-ce qu'il dit Ibn Taymiyyah? Sunnah. Ce délaissement-là, c'est une sunnah. Kama anna fi'lahu sunnah. Tout comme son action, c'est une sunnah. Donc son délaissement, c'est une sunnah. Tout comme son action, c'est aussi une sunnah. Ça, c'est Ibn Taymiyyah qui dit. L'imam Ibn Hajar al-Haytami, dans Al-Fatawa al-Hadithiyya, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, وَكَذَا مَا تَرَكَهُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ قِيَامِ الْمُقْتَضِي فَيَكُونُ تَرْكُهُ سُنَّةً وَفِعْلُهُ بِدْعَةً مَذْمُومًا. Donc, qu'est-ce qu'il dit Ibn Hajar al-Haytami? Ibn Hajar al-Haytami, al-Shafi'i, d'accord, c'est un Shafi'i, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ce que le Prophète sallallahu alayhi wa sallam a délaissé, pareil, مَعَ قِيَامِ الْمُقْتَضِي, ça veut dire quoi, مَعَ قِيَامِ الْمُقْتَضِي? Ça veut dire le motif pour faire cette action est présent. Et il n'y a pas une chose qui empêche le Prophète de faire cette action-là. Le Prophète a la possibilité de faire cette action-là. Fayakunu tarkuhu sunna. Fayakun tarkuhu sunna. Donc ce délaissement-là, c'est une sunna. Il faut le faire. Il faut délaisser aussi. Comme le Prophète est délaissé, on doit le délaisser. Contrairement à ce qu'il dit le Romari. Lui, le Romari, il dit le délaissement ne veut jamais dire que c'est haram. Jusqu'à ce qu'il n'y ait pas un texte qui nous dit « Ah, cette chose-là, c'est haram. » Mais on va voir que ça, c'est complètement faux. La preuve, une des preuves, c'est que les savants, qu'on vient de citer, ils le contredisent. C'est quoi? C'est que Ibn Hajar al-Haytami, il dit « Fatarkuhu sunna. » Le délaissement, c'est une sunna. « Wa fi'aluhu » Et le fait de faire ce que le Prophète sallam a délaissé, il dit quoi? « Bid'a madhmouma. » C'est une innovation mauvaise, blâmable. Ça, c'est ce qu'il dit Ibn Hajar al-Haytami. Et autres parmi les savants qui disent tous la même chose. Tous la même chose. Ce qu'on vient de dire là, ils disent tous la même chose. Donc c'est pas spécial à Ibn Taymiyyah ou spécial à Ibn Hajar al-Haytami. Il y en a plein des savants qui ont dit ça. Inch'Allah, on va citer après quelques paroles des savants par rapport à ça. Juste là, ce que je voulais, c'est que on comprenne la règle. Où elle se trouve cette règle? Elle se trouve à un endroit précis. C'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a délaissé. Parmi les choses qui sont dans l'adoration. Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a délaissé tout au long de sa vie. Alors que le motif pour faire cet acte-là existe. Par exemple, l'adoration d'Allah. Et que il n'existe pas d'empêchement. Il n'y a pas un empêchement à son époque, au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui l'empêche de faire cette action-là. Dans ce cas-là, ce délaissement-là, c'est une sunna. Et faire cette action que le Prophète sallam a délaissé, c'est une bid'a. On va donner, inchallah, quelques exemples pour appliquer la règle à certaines questions. Comme ça, inchallah, on va mieux comprendre. Donc, par exemple, la question de salat at-tarawih. Salat at-tarawih. On sait très bien donc que le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith rapporté par Bukhari et Muslim, il a fait salat at-tarawih. Il a réuni les gens dans le masjid et il a fait une salat. D'accord? La nuit. Salat at-tarawih. Comme on connaît salat at-tarawih, alhamdoulilah. Donc, le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a fait. D'accord? Pendant trois nuits. Pendant trois nuits. Ensuite, les sahaba, ils attendaient dehors le prophète sallallahu alayhi wa sallam sortir pour la quatrième nuit. D'accord? Pour la quatrième nuit. Et ils voyaient pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam sortir. D'accord? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas sorti. Arrivé à l'heure du fajr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est sorti pour faire la salat al-fajr. Il a fait donc la salat al-fajr. Puis ensuite, il a dit, donc il est parti voir les sahaba. Et ensuite, il a dit, أما بعد فإنه لم يخفى علي شأنكم الليلة ولكني خشيت أن تفرض عليكم صلاة الليل فتعجزوا عنها. Ici, il faut bien comprendre cette parole. Le Prophète صلى الله عليه وسلم, qu'est-ce qu'il a dit au Sahaba? Il a dit, je sais qu'est-ce qui s'est passé cette nuit. D'accord? Je sais que vous m'attendez et que je ne suis pas sorti. Tout ça, je le sais. Comme si le Prophète صلى الله عليه وسلم nous dit, c'est intentionnel de ma part de ne pas
être sorti. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, mais j'ai eu peur que cette salatul layl, la prière de la nuit, vous soit rendue obligatoire. Vous soit rendue obligatoire. Fata'jizu anha. Et donc, vous n'allez pas savoir faire cette obligation-là, tout le temps. C'est-à-dire, vous allez pas savoir faire cette obligation et vous allez avoir des péchés. Car si on délaisse une obligation, on a un péché. D'accord? Donc le Prophète sallam, il est sorti, il n'est pas sorti à voilà, il n'est pas sorti cette nuit-là. Il nous a dit, il nous a expliqué la cause qui fait que le Prophète sallam n'est pas sorti. C'est qu'il a eu peur que cette salat devienne obligatoire. Ça, il faut bien le comprendre pour savoir pourquoi le Prophète sallam l'a délaissé et pourquoi ensuite les Sahaba ils l'ont fait. Et pourquoi cette chose-là ne rentre pas dans la règle qu'on vient de citer. Et donc, forcément, cette chose-là n'est pas une innovation. Qu'est-ce qu'il dit l'imam Ibn Abd al-Bara? Donc là, non, on prend, inshallah, la compréhension des ulama qui sont reconnus, autant par nous que par ces gens-là de l'innovation, là, qui ont renié, mais malheureusement, soit ils cachent les textes volontairement, ou alors soit ils sont ignorants. Donc, qu'est-ce qu'il dit l'imam Ibn Abd al-Barr? Non, At-Tamhid, l'imam fil Muwatta, min al-Ma'ani wal-Asanid. Donc, Ibn Abd al-Barr, il y a un livre qui s'appelle At-Tamhid. D'accord? L'un des meilleurs livres dans le fiqh. Qui est un des commentaires de Al-Muwatta. Qu'est-ce qu'il dit l'imam? Qiyam Ramadan, sunnah. Min sunnah al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, mandubun ilayha, marghubun fiha. Donc, il nous dit que faire la prière de la nuit pendant Ramadan, c'est une sunna. Parmi les sunnas du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est recommandée. Et après, il dit, وَلَمْ يَسُنَّ مِنْهَا عُمَرِ بْنُ الْخَطَّابِ إِذْ أَحْيَاهَا إِلَّا مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّهُ وَيَرْضَاهُ. Donc, il dit, Ibn Abd al-Barr, Omar, radiyallahu anhu, c'est pas lui qui l'a inventé cette chose-là. Pas lui qui l'a inventé. Il a juste fait revivre une chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait et agréait. La preuve, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait lui-même. D'accord? Rappelez-vous, dans la règle, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, nous, on est en train de parler du délaissement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais fait. D'accord? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais fait tout au long de sa vie. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a fait. D'accord? Ensuite, il a délaissé. Et on va voir, inshallah, il a délaissé pour une bonne raison. Il dit, Ibn Abd al-Barr, que Omar, il n'a pas inventé cette chose-là. Il a fait revivre ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait. Et après, il dit, Ibn al-Barr, il continue. وَلَمْ يَمْنَعْ مِنَ الْمُوَاظَبَةِ عَلَيْهِ إِلَّا خَشْيَةَ أَنْ يُفْرَضَ عَلَى أُمَّتِهِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفًا رَحِيمًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Donc, Ibn al-Barr, il dit, ce qui a empêché le prophète sallallahu alayhi wa sallam de continuer la quatrième nuit, la cinquième nuit, jusqu'à tout Ramadan, c'était quoi? C'était que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait peur que ça devienne obligatoire pour sa communauté. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, il l'a dit dans le hadith qu'on a cité juste en haut. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était doux, il était compréhensif avec sa communauté, en sachant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il a dit dans le hadith, ça va être une chose trop difficile pour vous. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'il dit Ibn Abd al-Barr? فَلَمَّا عَلِمَ ذَلِكَ عُمَرَ. Lorsque le Omar, radiyallahu anhu, avec sa grande compréhension de l'islam et des règles de l'islam, عَلِمَ ذَلِكَ عُمَرَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلِمَ أَنَّ الْفَرَائِضَ لَا يُزَدْ فِيهَا وَلَا يُنْقَصْ مِنْهَا بَعْدَ مَوْتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَامَهَا لِلنَّاسِ وَأَحْيَاهَا وَأَمَرَ بِهَا. C'est-à-dire, Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu, qu'est-ce qu'il a compris? Il a compris que le Prophète sallam y a délaissé cet acte pour une raison particulière. Et que cette raison-là, elle n'existe plus maintenant à l'époque de Omar. Pourquoi? Car la raison, c'était que la chose devient obligatoire. Alors, Omar, il sait très bien que, après la mort du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a plus de révélation. La révélation, elle est finie. Il n'y a plus quelqu'un qui peut prétendre, moi j'ai une révélation. C'est un kafir celui qui dit ça. Et qui se prétend prophète.
Donc, Omar, il a compris que le prophète sallam, il a délaissé pour une chose. Et que cette chose-là, elle n'existe plus à l'époque de Omar. Donc, vu que l'empêchement qui a empêché le prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire salat al-Tarawih, il n'existe plus à l'époque de Omar, radiyallahu anhu. Donc, vu que cet empêchement n'est plus là, n'est plus présent, donc, le fait de faire cette action-là, ou de délaisser plutôt cette action-là, n'a plus lieu d'être. Et donc, il faut le faire. D'accord? Ça, c'est ce qu'a compris Omar radiallahu anhu. Car il a bien compris la règle de As-Sunnah At-Tarkiyya. C'est très bien qu'ici, le Prophète sallam, il n'a pas délaissé parce que c'est une bid'a. Mais il a délaissé pour une raison. Et cette raison, elle n'existe plus. Donc, il n'y a plus de raison à délaisser cette adoration-là. Ça, c'est ce qu'il dit Ibn Adelbar. Il dit exactement la même chose, l'imam Ibn Battal, dans son Sharh al-Bukhari. Dans son commentaire al-Bukhari, l'imam Ibn Battal, al-Maliki aussi, comme Ibn Adelbar, Maliki, et Ibn Battal, Maliki, il dit exactement la même chose que Ibn Abdelbar, dans le Sharh de al-Bukhari. Ensuite, on a l'imam Abu Shama. Abu Shama, il dit exactement la même chose que Ibn Abdelbar. Dans le Ba'ith, à l'Inkar et Bida'i ou le Hawadith. D'accord? Ibn Taymiyyah, il dit la même chose dans le Salat al-Mustaqim. Taqiyuddin al-Subki, il dit la même chose. Par rapport à la question de At-Tarawih. Shatibi dit la même chose. Et Shatibi, donc il a expliqué, et même Ibn Taymiyyah, etc., que, du coup, en fonction de la règle, si on l'a bien comprise, ça revient à dire que le Tarawih, c'est pas une Bida'. C'est pas une Bida'. Dans le sens shar'i, bien sûr, dans le sens de la religion. Mais sinon, comme on sait, Omar radiallahu anhu a dit, et on a répondu à cette chose-là en disant que c'est une bid'a lughawiyya, comme il a expliqué Shatibi, Ibn Taymiyyah, Ibn Hajar al-Haytami, et Ibn Rajab, Ibn Kathir, etc. Donc, ça c'est la première question. Si on a bien compris la règle, on a bien compris aussi pourquoi le tarawih, c'est pas une bid'a et ça rentre pas dans la règle. Car, on a dit, il y avait un empêchement à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et nous, quand on parle de la sunna tarkiyya, on parle de la sunna dans laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas d'empêchement de faire cet acte. D'accord? Maintenant, inshallah, on va prendre un deuxième exemple. Deuxième exemple, c'est jam' al-mushaf. Le fait de réunir le mushaf. C'est-à-dire réunir le Coran dans un livre. Pourquoi on va donner cet exemple-là aussi? Parce que c'est un exemple qui prennent aussi souvent les gens d'innovation pour dire, bah, vous voyez, ne l'a pas fait, et les Sahaba ils l'ont fait, donc ça veut dire qu'il y a des bonnes bid'a. D'accord? Alors que, en réalité, c'est, ils n'ont pas compris, encore une fois, la règle du, la sunna du délaissement. Donc on va expliquer ça, Inch'Allah. Donc, Jam' al-Mus'haf, réunir le Coran dans un livre. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a la possibilité de le faire? Est-ce que le prophète sallam, il a la possibilité de le faire? Nous, on dit non, il n'a pas la possibilité de le faire. Comme il expliquait Al-Khattabi et d'autres. Pour plusieurs raisons. Ou plutôt, nous, on va citer deux raisons, Inch'Allah. Sinon, Shatibi explique plus en détail. Mais comme on a dit, on veut faire un résumé pour bien comprendre la question. La première raison, c'est que, à son époque, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est vivant, il y a toujours la révélation. La révélation, elle descend. Toujours. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que, si le Prophète sallam, il fait cette chose-là, il met tout dans un livre, tout le Coran dans un livre, après, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que, si maintenant il y a un autre verset qui descend, donc, comment on fait? Le livre, il est complet. Comment on fait? Est-ce qu'on rajoute? Est-ce qu'on. Etc. Donc c'est impossible. Tant que la révélation elle continue de descendre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne peut pas réunir tout le Coran dans un mushaf, dans un livre. D'accord? Ça c'est compréhensible. La deuxième chose, c'est que on a ce qu'on appelle dans le Coran, ou même dans le Qira'at, ce qu'on appelle nasrut tilawa. C'est-à-dire que Allah, par exemple, il descend un verset. Il descend un verset. Ce verset-là, il est lu.
comme étant du Coran. D'accord? Et par la suite, Allah il décide d'enlever ce verset du Coran. C'est-à-dire, on ne peut plus le lire, par exemple dans la Salat, etc. Et ça, ça existe, comme dans le Bukhari, etc. Où Allah il fait descendre certains versets, et ensuite, ce verset-là, il n'est plus autorisé de le lire comme étant un verset du Coran, et comme étant, par exemple, dans la Salat. D'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle Nasr al-Tilawa. Donc, si on prend ça en compte, et on s'imagine, par exemple, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il veut réunir le Coran. Donc, on met tout ça dans un livre, puis ensuite, tant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est en vie, il ne peut pas savoir est-ce que ce verset-là, il va être retiré, est-ce que ce verset-là, il va être rajouté, etc. Donc, ça va causer un problème par rapport à ce livre. C'est qu'on va mettre des choses, ensuite, on devra l'enlever, puis ensuite, mettre une autre chose, par exemple, à la place, rajouter. Donc, c'est impossible qu'il réunisse tout le Coran, tant qu'il est en vie, dans un livre. D'accord? Maintenant, à l'époque de Abu Bakr, le premier qui a réuni le Coran, c'est Abu Bakr, radiyallahu anhu. Quand ils ont proposé à Omar radiyallahu anhu et à Zayd à Zayd radiyallahu anhu pour réunir le Coran dans un livre, qu'est-ce qu'ils ont dit? La première chose qu'ils ont dit, c'est quoi? Pour comprendre qu'il faut faire attention à pas ajouter des innovations. Mais au final, alhamdoulilah, ils ont compris que ça ne fait pas partie des innovations, ces choses-là. La première chose qu'ils ont dit, comme dans les hadiths, il est mentionné, ils ont dit, كَيْفَ نَفْعَلْ شَيْئًا لَمْ يَفْعَلْهُ رَسُولُ اللَّهِ. Comment on va faire une chose que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas fait? Pourquoi? Car ils savent très bien qu'il n'y a pas de bonnes innovations. Contrairement à ce qu'ils disent Romari, ce qu'ils disent tout cela. Après, ils ont discuté ensemble, et ils ont compris que cette chose-là, c'était pas une innovation. Pourquoi? Parce que ça rentre pas dans la règle. Ça rentre pas dans la règle. Car, nous on a dit, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam délaisse, alors qu'il y a la possibilité de le faire, et que le motif existe pour le faire, dans ce cas-là, et qu'il n'y a pas d'empêchement bien sûr, dans ce cas-là, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a délaissé, c'est une sunna, on est obligé de suivre là-dedans. Mais, s'il y a un empêchement, dans ce cas-là, on dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'il a délaissé, il n'a pas délaissé intentionnellement. Car, il y a quelque chose qui l'empêche de le faire. Donc, si cet empêchement-là n'existe plus, d'accord, n'existe plus, donc, le faire ensuite, ce n'est pas une bid'a. Donc, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a plus de révélation. Donc, est-ce que le problème se pose encore? Il ne se pose plus. Donc, les sahaba, ils ont compris que, on peut le faire, car ce n'est pas une bid'a. Et c'est ce qu'ils ont fait. Donc, ça, c'est le deuxième exemple. Il faut bien comprendre, Inch'Allah, entre les exemples. On va citer, Inch'Allah, un autre exemple. Par exemple, vu qu'on est un peu dans le temps, c'est le Mawlid. Comme ils disent, on va fêter l'anniversaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aurait pu faire cette chose-là? Est-ce qu'il y a le motif pour faire? Oui. Montrer la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, adorer Allah avec cette chose-là. Est-ce qu'il y a quelque chose qui empêche le prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire cette chose-là? Non, il n'y a rien qui l'empêche. Il n'y a rien qui l'empêche. Pourtant, il l'a délaissé. Les sahaba, ils l'ont délaissé. Tout le monde l'a délaissé. D'accord? Donc ça prouve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'il a délaissé, il a délaissé pour une bonne raison. Il a délaissé intentionnellement. Donc dans ce cas-là, le suivre dans le délaissement, c'est ça la sunna. Et le faire, c'est ça une bid'a. Ça, c'est une bid'a. Mawlid, là, c'est une bid'a. Bien sûr, pour eux, c'est une bonne bid'a. Pour eux. Mais comme on a vu, il n'y a pas de bonne bid'a, en réalité. Et ça rentre exactement dans la règle de sunna taqiyya. Ça rentre exactement dans la règle. Donc il n'y a pas à faire cette chose-là, jamais. Non seulement parce que ça n'existe pas des bonnes bid'a, mais en plus, c'est une chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait pu faire, le motif existe, et il n'y a pas d'empêchement au prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire cette chose-là, et malgré ça, tout ça, il a délaissé.
Maintenant, par exemple, un autre exemple. On va prendre un autre exemple. L'exemple de l'adhan ou l'iqama fi salat l'Aïd. Le fait de faire l'adhan et l'iqama pour la salat l'Aïd. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a délaissé, il n'a pas fait l'adhan ni l'iqama pour la salat l'Aïd. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose qui empêche le prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire l'adhan à ce moment-là? Non. Est-ce que le motif existe pour faire le adhan à ce moment-là? Oui, il existe. Est-ce que le prophète a mis la possibilité de le faire? Oui. Ça peut être quoi, par exemple, le motif? Encore une fois, l'adoration d'Allah, le dhikr d'Allah, appeler les gens à la salat. Donc, ça existe. Malgré ça, le prophète a délaissé. Donc, le fait de délaisser adhan et iqama pour la salat al-Aïd, c'est ça la sunna. Et le fait de le faire, c'est ça la bid'a. D'accord? C'est ça la bid'a. Donc, Inch'Allah, on a donné quelques exemples pour mieux comprendre encore la règle. Maintenant qu'on a bien compris la règle, on va voir qu'est-ce qu'il dit Al-Romari dans son livre. Donc, premièrement, dans son livre sur la bid'a, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit Tarku shay la yadullu ala man'ihi wala karahatihi. Il dit, le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il délaisse une chose, ça ne signifie pas que cette chose-là est interdite, c'est-à-dire qu'on ne peut pas la faire, et non plus détestable, pas détestable. Et qu'est-ce qu'il nous dit le Romari? Et ce qu'il vient de citer, soi-disant lui, c'est une règle dans le usul al-fiqh. D'accord? C'est une règle que les mubtadi'a, c'est-à-dire ceux qui défendent la vérité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de bonne innovation, soi-disant, eux, c'est eux les mubtadi'a, selon le Romari, et ils ne connaissent pas la règle qu'ils viennent citer le Romari. Et nous, comme on l'a dit, on a dit si, on la connaît. Sauf que c'est pas à cet endroit-là qu'elle existe. Cette règle-là, ce que le Prophète sallam délaisse, la yadullu ala man'ihi wa ala karahatihi. Alhamdulillah, on connaît cette règle-là. Mais cette règle-là, est-ce qu'elle existe par rapport aux choses que le Prophète sallam a délaissées dans les adorations? Non. Est-ce que ce délaissement-là, il existe dans ce que le Prophète sallam a délaissé parmi les choses de la vie mondaine? Par exemple, les nourritures. Par exemple, il n'y a pas à manger telle nourriture. D'accord? Nous, on dit dans ce cas-là, oui, le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'il n'a pas mangé telle nourriture, enfin une adoration, donc ça ne signifie pas que cette nourriture-là que le Prophète sallallahu alayhi wa sallam a délaissée est forcément haram. Ça ne signifie pas ça. Mais nous, on est en train de parler d'une chose de l'adoration. Toi, Al-Romari, tu es en train d'écrire un livre sur la bid'a. Mais on n'est pas en train de parler des choses que le Prophète sallam délaisse dans les choses de la dunya. D'accord? Et ça, faut retourner au livre des Usul. Soi-disant, comme il va nous dire le Romani, ça n'existe pas dans le Usul, ça. Soi-disant. Alors qu'il faut juste aller retourner là-bas et il vous différencie entre les sortes de délaissement. Donc, soi-disant, cette règle-là, on ne la connaît pas. Les Mubtadi'a, comme nous, on ne connaît pas la règle qu'il vient citer El Romani. Donc, on demande encore une fois à Ismaël Mounir ici, il ne respecte pas la divergence, Romari. On nous considère comme des mubtadi'a. C'est quoi ce sectarisme, soi-disant, pour Ismaël Mounir? Mais bien sûr, Romari, c'est un grand savant d'islam, pour Ismaël Mounir. Malgré qu'il considère ses opposants comme étant des mubtadi'a. Tandis que nous, si on considère nos opposants à la vérité, et en réalité, ce n'est pas nos opposants à nous, mais c'est les opposants à la vérité, comme étant des mubtadi'a, ah, là, on a du sectarisme. C'est quoi ce jugement? Est-ce que c'est juste? Allah al-Musta'an. Donc, ensuite, il nous dit aussi le Romari, wa aghlabu akhta'i ha'ula al-mubtadi'a, d'accord? Encore une fois, sectarisme. Wa ma aktharuha, soi-disant, ils font beaucoup d'erreurs, ces mubtadi'a-là. Ta'ti min jihati jahlihim bil usul, soi-disant, ils sont, pourquoi? Car ils sont ignorants des usul al-fiqh. Wa adami tamakkunihim min qawa'idihi. Connaissent pas aussi les règles du usul al-fiqh. Ensuite, il nous dit aussi Al-Romari, dans son autre livre, d'accord, sur Sunna Tarkiyya, justement. Il nous dit, يترك النبي صلى الله عليه وسلم شيئا لم يفعله أو يتركه السلف الصالح من غير أن يأتي حديث أو أثر بالنهي عن ذلك المتروك يقتضي تحريمه أو كراهته. Donc il dit, nous,
En fait, il dit نقصد بالترك الذي ألفنا هذه الرسالة لبيانه أن يترك النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ولم يفعله etc. Tout ce que j'ai cité. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire ici le Romari? Il est en train de nous dire que nous, on est en train de dire que le délaissement du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a pas fait. Et les salafs salih, ils l'ont pas fait non plus. Les salafs, ils l'ont pas fait. Et il n'y a pas de preuve sur l'interdiction de cette chose que le Prophète sallallahu alayhi wa sallam a délaissé et que les sahaba, ils ont délaissé. Pas l'interdiction. Il n'y a pas une preuve de l'interdiction, selon le Romari. Donc, rien que le fait que le Prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a délaissé, pour le Romari, ça veut pas dire que c'est haram. D'accord? Alors que nous, on dit, si, il y a un texte. Il y a un texte sur l'interdiction que, sur les choses que le Prophète sallallahu alayhi wa sallam a délaissé. C'est juste que tu n'as pas compris le texte. C'est quoi le texte? Le texte, c'est que le Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, amruna, le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, celui qui fait une action que moi, je n'ai pas faite dans la religion, d'accord? Laisa alayhi amruna, fawarad, elle est rejetée. C'est ça la preuve. C'est ça la preuve. Maintenant, on lui veut une preuve pour chaque chose. Et ça, ça n'existe pas. Parce que c'est des innovations, c'est une chose qui n'en finit pas. Ensuite, donc il dit, an tark tark shay la yadull ala tahrimihi. Donc pour lui, Al-Romari, le fait que le Prophète sallam a délaissé une chose, d'accord, en général, donc que ce soit dans les adorations ou alors dans les choses permises, les choses mondaines, pardon, c'est, pour lui, c'est la yadull ala tahrimihi. C'est pas haram. Le fait de le faire, ça veut dire c'est pas haram. On peut la faire. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous dit encore le Romani parmi ses arguments? Il nous dit, Al-Usuliyun, harraf al-Sunnah, bi-annaha qawl, al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, wa fi'luhu, wa taqriruhu, wa lam yakoulu tarkuhu, li-annahu laysa bi-dalil. Al-Romani, c'est quoi encore sa preuve? Une deuxième, deuxième preuve. C'est que Al-Usuliyun, les savants du Usul Fiqh, quand ils ont défini la sunna, ils ont dit que la sunna c'était les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les actions du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que les approbations du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Et qu'est-ce qu'il dit le Romani? Walam yaqulu tarkuhu. Et ils n'ont pas dit le délaissement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les savants du Rasoul, ils n'ont pas dit le délaissement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Li'annahu laysa bidalil. Car ce n'est pas une preuve, ce nom. Al-Romari, Inch'Allah, maintenant, on va réfuter tout ce qu'il a dit Al-Romari en citant les paroles des savants, où on va clairement expliquer que tous les savants, ils disent que la sunna tarkiya, c'est une sunna. Et il faut suivre le Prophète sallam dans ça. Donc, qu'est-ce qu'il dit l'imam Shafi'i? Hein? Soi-disant les Shafi'i qui propagent le livre du Romari. Vous êtes où de votre imam Shafi'i? Soi-disant que vous suivez. Qu'est-ce qu'il dit Shafi'i? Dans son livre Ar-Risala. Mais malheureusement, ces gens-là, ils lisent pas Ar-Risala. Ils lisent les contemporains, leurs chouyours, qui leur amènent tous des pleins d'innovations, et ils reviennent jamais au grand livre. Au grand livre des grands savants. Et s'ils y reviennent, ils y comprennent rien. Car ils ont pas les bases. Leurs chouyours, là, ils n'auront pas donné les bases pour comprendre les livres anciens. Qu'est-ce qu'il dit le chef Eid Ar-Risala? فلما لم يأخذ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد بعد زكاة بعده زكاة تركناه اتباعا بتركه. L'imam Shafi'i dit, le Prophète صلى الله عليه وسلم, il n'a pas pris sur une sorte de chose la zakat. Donc nous, qu'est-ce qu'il dit Shafi'i? Nous aussi, on ne va pas le prendre, on délaisse. اتباعا بتركه. Car, pourquoi? Pour suivre son délaissement. On suit son délaissement. En soi-disant, son délaissement, ça ne veut pas dire qu'il faut suivre. Hein? Qal l'imam Shafi'i Aydan, toujours dans Al-Risal, il dit, Shafi'i, walakinna nattabi'u sunna fi'lan aw tarkan. Qu'est-ce qu'il dit Shafi'i? Il dit, nous, on suit la sunna fi'lan aw tarkan. Dans l'action et dans le délaissement. Donc, le premier à avoir écrit dans Usul al-Fiqh, l'imam Shafi'i, il nous cite cette règle-là. Et soi-disant, après, c'est nous qu'on est ignorants de ou sur le fiqh, et on ne connaît pas les règles. Qu'est-ce qu'il dit l'imam Ouzaï? L'imam Ouzaï, dans Al-Hadith al-Awliya de Abu Nu'aym al-Asbahani, donc, avec sa chaîne de transmission, il dit, قال Ouzaï, في الرجل يسأل أمؤمن أنت حقا
Donc il y a un homme qui questionne. Est-ce que tu es un vrai croyant? Qu'est-ce qu'il est l'Auza'i? Ici, il faut bien comprendre une chose, c'est que on va pas se. Juste avant que je cite la parole de l'Auza'i, j'aimerais bien expliquer une chose. C'est qu'on va pas citer les questions qui sont en fait qui sont ici données par l'Auza'i, par les autres savants. Ce qui nous intéresse, nous, ici, dans notre audio, c'est de voir comment les salafs, ils ont utilisé la sunna tarkiyya pour dire que ça existe chez les salafs. Et même, il y a un consensus sur cette question. Comme les sahaba, radiyallahu anhum, ils ont utilisé ça, cette sunna tarkiyya. Comme par exemple dans ce qu'on a cité de Abdullah ibn Mas'ud, l'histoire avec Abu Musa al-Ash'ari, Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhum, qu'ils ont vu des gens faire du zikr, mais pas comme le Khoutsassanemi faisait. Et que Abdullah ibn Mas'ud, il a dit, soit vous êtes meilleur que le Khoutsassanem, ou soit vous avez ouvert une porte vers l'égarement. Donc ici, qu'est-ce qu'il dit Abdullah ibn Mas'ud? Il a dit, le Khoutsassanem, vous êtes en train de faire une chose que le Khoutsassanem n'a pas fait. Donc soit vous êtes meilleur que lui, ça veut dire, vous faites une chose qu'il n'a pas fait, ça veut dire que vous êtes meilleur encore, ou alors soit vous êtes dans un égarement. Et bien sûr, ils sont dans un égarement. Car c'est impossible qu'il soit meilleur que le Khoutsassanem. Donc, Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu, il s'est argumenté de la sunna tarkiyya. Donc, comme tous les salafs qui vont venir après, comme on va citer. Mais juste, qu'est-ce que je voulais expliquer? C'est que, on va pas parler des questions à proprement dit qui sont citées. Nous, on veut juste voir comment les salafs, ils ont utilisé la sunna tarkiyya pour dire que cette sunna-là, elle existe bien, et les salafs, ils la connaissaient déjà. Et c'est pas une chose inventée par Chatibi, soi-disant, ou alors les Wahhabis, ou autre, Ibn Taymiyyah, ou autre. Donc, qu'est-ce qu'il dit l'Auza'i? Il dit, Inna al-mas'ala amma su'ila min dhalika bid'a. Il dit, la question qu'il est en train de poser, cette personne-là, c'est une bid'a. Pourquoi c'est une bid'a? Lam yashra'ahu nabiyuna sallallahu alayhi wa sallam. Le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas légiféré. Donc, est-ce que Al-Auza'i a dit c'est une bid'a parce que le Prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a interdit. Non, il a dit le Prophète sallallahu alayhi wa sallam il n'a pas légiféré. C'est-à-dire il a délaissé le fait de légiférer. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit Al-Auza'i? Fasbir nafsaka ala sunna. Patiente sur la sunna. Patiente sur la sunna. Waqif hayth waqaf al-qawm. Arrête-toi là où eux ils se sont arrêtés. Regardez, arrêter c'est quoi? C'est un délaissement. Arrête-toi là où ils se sont eux arrêtés. Hein? وَقُلْ بِمَا قَالُوا et dis ce qu'ils ont dit. وَكُفَّ عَمَّا كَفُّوا عَنْهُمْ et l'Auza'i, qu'est-ce qu'il dit? Délaisse ceux qui les ont délaissés. L'Auza'i ordonne à quelqu'un de dire, il lui dit, délaisse ceux que eux ils ont délaissés. Donc, si je dois délaisser ce qu'ils ont délaissé, ça veut dire que je dois les suivre en délaissement. D'accord? Ensuite, ici, وَسْلُكْ سُبُلَ سَلَفِكَ الصَّالِحِ et suis la voie des salafs, as-salih. فَإِنَّهُ يَسَعُكَ مَا وَسِعَهُمْ وَقَدْ كَانَ أَهْلُ الشَّامِ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذِهِ الْبِدَعَ. Regarde comment ici l'Auza'i il parle de ces choses-là, en disant que c'est des innovations. Ensuite, l'imam Ibn Abi Zayd al-Qirawani. L'imam Ibn Abi Zayd al-Qirawani, il y a son livre, Al-Jami'a. Il dit, At-taslimu lis-sunan. Donc, on suit, on se soumet aux sunan. لا تعارض برأي ولا تدفع بقياس. Donc la sunna, on ne la contredit pas avec une opinion, notre propre opinion à nous. Et on ne la contredit pas non plus avec une analogie. Et après, qu'est-ce qu'il dit? وما تأوله منها السلف الصالح تأولناه. Ce que les salafs, ils ont expliqué, on l'explique pareil que eux. Ensuite, il dit وما عملوا به عملناه. Ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont fait, on le fait aussi. وَمَا تَرَكُوهُ تَرَكْنَاهُ est-ce qu'ils ont délaissé, on le délaisse aussi. Est-ce que Ibn Abi Zayd a dit, ce qu'ils ont délaissé, ça ne veut pas dire que c'est interdit de le faire. Non, il a dit, nous aussi on le délaisse. Qu'est-ce qu'il dit après? وَكُلُّ مَا قَدَّمْنَا tout ce qu'on a cité, فَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ السُّنَّةِ c'est l'avis et c'est la parole des gens de la Sunna,
Et des imams dans le fiqh et dans le hadith. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit l'imam Abu al-Muzaffar al-Sam'ani? Abu al-Muzaffar al-Sam'ani dans son livre Qawati' al-Adilla fil Usul. Dans un livre dans Usul al-Fiqh. Qu'est-ce qu'il dit Abu al-Muzaffar al-Sam'ani? Un Shafi'i lui aussi. إذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من الأشياء وجب علينا متابعته فيه. شاف الصمعاني يجي ce que le prophète صلى الله عليه وسلم il a délaissé, ou alors si le prophète صلى الله عليه وسلم délaisse une chose, on est obligé, وجب علينا, on est obligé de le suivre dedans, dans son délaissement. Est-ce que on va prendre la parole de Al-Romani qui nous dit, non, ce que le Prophète sallam délaisse, c'est pas forcément, ça veut pas dire que c'est haram, hein, de le faire. Ou alors est-ce qu'on va prendre la parole de tous ces imams qui nous disent, ce que le Prophète sallam délaisse, on est obligé de le délaisser. Ensuite, on continue. L'imam Abu al-Wafa ibn Aqil, dans son livre, dans le fiqh al-Wadih, il dit, إن ترك في خلال فعل ما يشكل ذلك الفعل أو فعل فعلا في مكان أو مع شخص وتركه في مكان آخر ومع شخص آخر دل على وجوب تجنبه. Donc qu'est-ce qu'il nous dit Ibn Aqil, rahimahullah? Il dit que ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait dans un endroit, puis dans un autre endroit, il a délaissé, etc. Il nous dit, ça prouve qu'on est obligé de le délaisser. Dalla ala wujubi tajannubihi. D'accord? Après, par exemple, et après, il dit, kana ma tarakahu wajiban tarkuhu. Ce que le Prophète sallallahu alayhi wa sallam a délaissé, wajiban tarkuhu, c'est obligatoire de le délaisser. Kama anna ma fa'alahu wajibun fi'luhu. Tout comme ce que le Prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait, c'est obligé de le faire. Ensuite, Ibn Rushd, rahimahullah, dans Al-Bayan wa Al-Tahsil. Dans son livre, dans Al-Fiqh Al-Bayan wa Al-Tahsil. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ولا يصح أن تتوفر دواء المسلمين على ترك نقل الشريعة من شرائع الدين وقد أمروا بالتبليغ وهذا أصل من الأصول. Il dit, l'Ibn Rushd, que c'est impossible que tous les musulmans, ils ne vont pas nous transmettre quelque chose de la révélation, alors qu'il est obligatoire pour eux de transmettre la révélation et de transmettre ce que le Prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ou a dit. D'accord? C'est impossible que les sahaba ils se taisent sur une chose que le Prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a ordonné de propager. Et il dit ça, c'est un fondement parmi les fondements. Et après, Ibn Rushd il parle de zakat al-khadrawat. D'accord? Il nous dit on ne prend pas la zakat sur les khadrawat. Comme j'ai dit, on va pas parler de la masala de la zakat en elle-même. Inch'Allah, nous, on veut juste comprendre comment, pourquoi il dit qu'on ne doit pas prendre la zakat sur cette sorte de cette catégorie. Il dit pourquoi? لِأَنَّ أَنزَلْنَا تَرْكَ نَقْلِ أَخْذِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزَّكَاةَ مِنْهَا كَالسُنَّةِ الْقَائِمَةِ فِي أَلَّا زَكَاةَ فِيهَا. Écoutez bien ça, d'accord? Ibn Rushd dans Al-Bayan al-Tahsil, Ibn Rushd al-Maliki. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit pourquoi? Car on a considéré le délaissement du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme si le prophète sallallahu alayhi wa sallam il avait dit il n'y a pas de zakat dans cette chose-là. Donc en fait, Al-Romari, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, moi j'attends un texte précis sur le fait que cette chose-là c'est haram pour dire que c'est haram. Et que le Prophète sallam, s'il a délaissé, ça veut dire que c'est pas forcément haram. Alors que Ibn Rushd, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, si le Prophète sallam l'a délaissé, c'est comme si, pour nous, c'est comme si il avait dit, il n'y a pas de zakat dans ça. Comme s'il nous avait dit, ça c'est haram. Et c'est pour ça Ibn Taymiyyah dans Khilas al-Mustaqim, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que le délaissement, tarku nabi sallallahu alayhi wa sallam, ma qiyam al-muqtadi wa adam al-mani', qu'est-ce qu'il dit? Il dit, yaqoumu maqam an-nahy as-sarih. Il dit, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a délaissé
avec les conditions qu'on a citées. Il dit, c'est comme si que le prophète sallam nous avait interdit cette chose-là. Il nous avait dit, ça, c'est interdit. Et c'est ce qu'il dit, Ibn Rushd ici. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit, l'âme, il dit. L'âme, il dit dans l'ihkam, puis au l'ahkam. Dans son livre, dans le sol, il aussi. Il dit, l'âme, il dit. إذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا أننا متعبدون بالتأسي به في فعله ودليله النص والإجماع. Donc, si le prophète sallam il fait une chose, on doit aussi adorer Allah avec la chose que le prophète sallam a fait, d'accord? On doit suivre le prophète sallam dans ces choses-là. Et après, qu'est-ce qu'il dit le plus loin? Il dit quoi l'âme dit? Il dit, وعلى ما ذكرناه في فعله. Il dit tout ce qu'on a dit dans le rapport avec la question que le prophète a fait des choses, dans son action. D'accord? Yakunul hukmu fi tarkihi. Il dit tout ce qu'on a dit par rapport au fait qu'on doit suivre la sunna du prophète dans son action, c'est la même chose dans son délaissement. On doit le suivre aussi. C'est ce qu'il dit aussi, al-amidi. Ensuite, il dit aussi al-amidi. Wa amma ta'assi bil ghayr faqad yakunu fil fi'li wa tark. Suivre quelqu'un, ça peut être dans le fait de le suivre, dans le fait de faire quelque chose qu'il a fait, mais aussi dans le fait de délaisser la chose qu'il n'a pas faite. Ensuite, l'Asfahani, l'imam Shamsuddin Abu Abdullah al-Asfahani, dans Al-Kashif al-Mahsoul fi ilm al-Usul. Donc, il dit, تنبه اعلم انه لابد من تفسير الفاظ تستعمل في هذا الكتاب فنقول il dit, التأسي به صلى الله عليه وسلم قد يكون في فعله وقد يكون في تركه. Prendre exemple sur le prophète صلى الله عليه وسلم, ça se fait dans son action et ça se fait aussi dans son délaissement. والتأسي به في الترك, et le fait que comment je dois le délaisser, comment je dois suivre le prophète صلى الله عليه وسلم dans son délaissement, c'est quoi? C'est وهو أن نترك مثل ما ترك على الوجه الذي ترك لأجل أنه ترك. C'est je dois délaisser ce que le prophète صلى الله عليه وسلم a délaissé comme il l'a délaissé et pour la raison pour laquelle il l'a délaissé. Ensuite, Ibn Taymiyyah dans القواعد النورانية, il dit الترك الراتب سنة كما أن الفعل الراتب سنة فأما ما تركه من جنس العبادات فيجب القطع بأن فعله بدعة وضلالة. Ibn Taymiyyah, il dit, le délaissement, c'est une sunna. Tout comme l'action, c'est une sunna. Et ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a délaissé, min jinsil ibadat, par rapport à une chose qui fait partie de l'adoration, on est obligé de dire que cette chose-là, c'est-à-dire faire cette chose-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a délaissé, c'est une bid'a et c'est un égarement. Il dit aussi, Ibn Taymiyyah, dans Sharh al-Umda, fil fiqh, عمدت الفقه ده ابن قدامة يجي تركه صلى الله عليه وسلم سنة كما أن فعله سنة بدرس ما يخوض صلى الله عليه وسلم سنة توكم سنة أكسيون سنة سنة يجي من القيم ده يعلم الموقعين على رب العالمين يجي وأما نقلهم لتركه صلى الله عليه وسلم فهو نوعان وكلاهما سنة فإن تركه صلى الله عليه وسلم سنة كما أن فعله سنة. Il dit Ibn al-Qayyim, le délaissement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une sunna, tout comme son action, c'est une sunna. Il dit après, فإذا استحببنا فعل ما تركه كان نظير استحبابنا ترك ما فعله ولا فرق. Ça veut dire quoi? Ça veut dire Ibn al-Qayyim nous dit, si je dis d'une chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a délaissé, d'accord, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il délaisse une chose. Et moi, je dis de cette chose, non, cette chose-là, c'est recommandé. D'accord? Il dit, Ibn al-Qayyim, c'est la même chose que si tu dis que le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait une chose, et tu dis, non, ça c'est pas bon, c'est détestable. Faut pas le faire. Voilà, farq. Et il dit, il n'y a pas de différence entre l'un et l'autre. Ensuite, Ibn al-Qayyim, toujours dans Zad al-Ma'ad. Maintenant, dans un autre livre, Zad al-Ma'ad. Il dit, فإن السنة ما كان ثابتا عنه صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل فإذا لم يفعله ولم يشرعه كان تركه هو السنة. Il dit, la sunna du prophète صلى الله عليه وسلم, c'est tout ce qui est rapporté de lui parmi les paroles, les actions, etc.
Et après, il dit, et si le prophète sallam, il ne le fait pas, et il ne légifère pas, donc, son délaissement, c'est ça, la sunna. Al-Mardawi, dans son Tahbir, Sharh Tahrir, d'accord, qui est un Hanbali. D'accord, parce qu'il y a aussi des Hanabila, là, les nouveaux, qui disent, ouais, la sunna tapie, ça n'existe pas non plus. Il y en a aussi parmi eux, j'ai déjà vu. Donc, il dit, فائدتان الأولى التأسي فعلك كما فعل صلى الله عليه وسلم لأجل أنه فعل وكذا الترك فالتأسي فيه تركك له كما ترك لأجل أنه ترك هذا في الفعل والترك. Qu'est-ce qu'il dit? El Mardaoui. Il dit, prends l'exemple du Prophète sallam, c'est que tu fais une action comme il l'a faite, le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, et pour la raison pour laquelle il l'a faite. Et cette chose-là, c'est la même chose dans le délaissement. C'est que tu le suis comme le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a délaissé, tu délaisses comme le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a délaissé, pour la raison pour laquelle il a délaissé. Donc ça, c'est dans l'action et dans le délaissement. Voilà qu'est-ce qu'il dit, Al-Mardawi. Il dit, ça c'est important ici. Zarkashi, qu'est-ce qu'il dit, Zarkashi? Il dit, As-Sunna, wa hiya aqwalu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa af'alu, wa yadkhul fil af'al at-taqrir wal-kaf fi'al. Ici, c'est une chose importante à comprendre. C'est quoi? C'est que, rappelez-vous, Al-Romari, qu'est-ce qu'il nous a dit? Il nous a dit que les usuliyun, quand ils donnent la définition de la sunna du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils disent que c'est son action, sa parole et son approbation. Et ils ne citent pas son délaissement. Pourquoi? Car, par exemple, pour le Romali, c'est pas une preuve. Laïsa bidali, c'est ce qu'il dit. Tandis que, qu'est-ce qu'il nous dit ici, Zarkashi? Il nous dit que la sunna, comme il dit, c'est vrai, le Romali, que c'est les actions du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, les paroles du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'accord? Mais il dit, يدخل في الأفعال. Quand ils disent ici les usuliyun, quand ils disent les actions du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'ils visent là-dedans? Et Zarkashi te le dit. يدخل في الأفعال التقرير. Dans l'أفعال, ils rentrent dedans quoi? Les approbations. Et après il te dit والكف فعل. Et le délaissement, on le considère comme un fial. Donc quand les usuliyun ils nous disent la sunna du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est les actions. Af'al Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Eux, les usuliyun, ils rentrent dedans le délaissement. Mais ça, Al-Romani n'a pas compris. Ou alors il a fait exprès de pas comprendre, car c'est tellement clair qu'on se demande. Ensuite, Shihabuddin Qastalani. Tarku sallallahu alayhi wa sallam sunna kama anna fi'alahu sunna. Le délaissement du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une sunna. Tout comme son action, c'est une sunna. Ibn al-Najjar, al-Futuhi, qu'est-ce qu'il dit dans al-Kawkab al-Munir, Sharh Mukhtasar al-Tahrir? Il dit, wa min al-fi'al, aidan, donc parmi les actions, al-fi'al, quand nous on dit la sunnah c'est al-fi'al, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qui rentre dedans? Min al-fi'al, aidan, c'est quoi? A'amal al-qalb, c'est les actions du cœur, wa tark, et aussi le délaissement. Encore plus clair. L'imam As-San'ani. L'imam As-San'ani. Il dit dans Ijabatu Sa'il, Sharh Buryatul Ami. Il explique en fait que les actions du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils rentrent dedans aussi le délaissement du Prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Il dit ça. Il dit, Al-Uswa Lughatan, Al-Qudwa, Qawluhu Fi'uka, Otarkuka, Liannahu Yajid Ta'assi Fi Tark. Donc il dit aussi, on peut suivre le Prophète sallallahu alayhi wa sallam dans son délaissement. D'accord? Et donc après, il cite son vers de poème où il définit la sunna du Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il dit, فَإِنَّهَا الْأَقْوَالُ وَالْأَفْعَالُ كَذَلِكَ التَّقْرِيرُ فَالْأَقْوَالُ. Donc, il nous dit, c'est quoi? C'est l'aqwal, les paroles du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'af'al, les actions du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, et aussi taqrir, l'approbation du Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ici, il n'y a pas cité tark, il n'y a pas cité le délaissement en San'ani ici. D'accord? Pourquoi? Est-ce que, parce que, comme il dit le Romani, parce que c'est pas une preuve, on va voir qu'est-ce qu'il dit à San'ani lui-même, dans son charh,
l'explication de son propre poème. Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit « فَإِنَّهُ اجْتَمَلَ النَّظْمَ عَلَى ذِكْرِ أَقْسَامِيَ الثَّلَاثَ » Donc, le poème, le vers de poème, a compris ou a pris en compte les trois catégories de la sunna. Et après il dit « وَهَكَذَا عَدَّ أَقْسَامَهَا أَكْثَرُ أَئِمَّةِ الْأُصُولِ » Et c'est comme ça que la majorité des gens du usul, ils ont défini la sunna. D'accord ? Qu'est-ce qu'il dit Sanani ? وَلَمْ يَذْكُرُوا tark. Et ils n'ont pas cité le tark, ils n'ont pas cité le délaissement. Pourquoi, Sanani ? لِأَنَّ turuk دَاخِلَةٌ فِي الْأَفْعَالِ. Car le délaissement rentre dans l'af'al, rentre dans les actions. On considère comme étant une action. Pourquoi ? Parce qu'il dit لِأَنَّهُ كَفْ وَالْكَفْ فِيَعْلِ. Car c'est un délaissement, et le délaissement c'est une action. Donc regardez, le Romain lui nous dit, ils n'ont pas cité Tark, pourquoi ? Parce que ce n'est pas une preuve. Non, ils n'ont pas cité Tark tout simplement parce que ça rentre dans El Fial. Comme il nous dit, El Sanani ici. Donc on va finir avec ça. Je pense qu'on a cité beaucoup de paroles, il y en a encore, mais bon, je ne vais pas tout citer. Mais sinon, il y en a encore. Voilà, Inch'Allah, on va finir. Et donc, pour résumer, j'espère qu'on a bien compris la question de la sunna taqiyya, la sunna du délaissement, bien comprendre la règle. On a cité quelques exemples pour bien comprendre cette règle-là. Puis ensuite, on a cité les paroles de tous les savants qu'on vient de citer là pour montrer que la sunna taqiyya existe bien chez les savants de l'islam, chez les usuliyyun, et que c'est pas une chose nouvelle. Donc, Inch'Allah, j'espère que c'est clair. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.